Authentification impossible, erreur dans le mot de passe ou le triplé. Après vous être authentifié sur le site net-entreprise.fr, vous obtenez le message « Votre mot de passe et ou vos données d'authentification sont incorrectes ». Cela signifie qu'une erreur est détectée, soit dans votre triplé de connexion, SIRET, nom, prénom, soit au niveau de votre mot de passe. Vérifiez votre SIRET. Si vous êtes multi-établissement, vérifiez sur quelle SIRET l'inscription a été réalisée. En effet, l'inscription a pu être réalisée sur le SIRET du siège ou sur l'un des établissements secondaires. Vérification du code NIC, 5 derniers chiffres. Si vous venez de déménager, le code NIC de votre SIRET, 5 derniers chiffres, est modifié. Vous devez donc vous connecter sur Net Entreprise à partir de ce nouveau SIRET avec les mêmes noms, prénoms et mots de passe que l'inscription précédente, ancien SIRET. Vérifiez la saisie de votre nom et prénom. Si vous avez un prénom ou un nom composé, vérifiez si vous avez mis ou non le tiret. Pour exemple, le système prendra de manière différente Jean-Pierre et Jean-Pierre. Vous ne devez pas mettre de caractères spéciaux. Si dans votre nom et ou prénom un accent est présent, celui-ci a été refusé lors du processus d'inscription. Vérifiez la saisie de votre mot de passe. Contenir au moins 6 lettres, majuscules et ou minuscules, et 2 chiffres. Ne pas excéder 12 caractères. Être composé uniquement de chiffres ou de lettres non accentuées, pas d'espace, de point-virgule, etc. Les majuscules et les minuscules sont bien différenciés et les caractères spéciaux non autorisés. Si vous avez l'assurance d'avoir renseigné le bon triplé d'authentification et que le problème se situe au niveau de votre mot de passe, cliquez sur « Votre compte » à partir de la page d'accueil, puis sur « Mot de passe oublié ». Renseignez les informations et cliquez sur « Valider ». Répondez à la question secrète afin de générer un nouveau mot de passe et ainsi accéder à votre menu personnalisé.